Alors cette vidéo pour vous montrer que les limaces pour l'instant ont un petit peu d'avance sur moi. Alors je serais tenté de dire Loïc 0, limace 1. Elles ont gagné la première manche. Vous pouvez voir l'état des choux. Ils sont vraiment bien boulottés. Alors dans la lasagne, c'est encore plus catastrophique. Vous voyez, il reste vraiment pas grand-chose. Donc j'ai beau sortir la nuit pour les enlever, c'est loin d'être suffisant. Alors voilà une salade qui a été épargnée et on voilà une juste à côté. Voilà, vous voyez ce qui est. Il reste quasiment plus rien, je sais même pas s'il va pouvoir repartir. Donc j'ai mis au point quelques pièges. Donc voilà les pièges que j'ai fabriqués. Donc c'est du frêne, donc c'est un bois assez souple que j'ai tordu et noué avec de la ficelle, c'est de la cordelette pour les ballots de paille, et dessus j'ai mis de la colle à chaud, et voilà, j'ai trempé, je dirais, la colle dans un petit récipient qui contient des granulés anti-limaces. Alors c'est des granulés bio, hein. Bon, ça reste quand même du granulé, et donc voilà ce que ça donne une fois trempé, vous voyez. Voilà, donc je vais aller mettre ça autour des choux. Donc voilà un chou que je vais protéger cette nuit. Voilà, tout simplement, je vais déposer le piège comme ça autour. Et ça devrait, j'espère, protéger le chou durant la nuit. Je l'enlèverai dans la journée pour éviter que des oiseaux s'amusent à picorer le poison. Mais au moins, je pense que la nuit, les choux et les salades seront bien protégés. Alors, vous pouvez voir aussi, j'ai collé des petits granulés sur le bord des carrés de potager, tout du long. Donc toujours pareil avec la colle à chaud, donc vous voyez, ça tient bien, on ne peut pas l'enlever. Et j'espère que ça sera suffisant donc, pour que les limaces et escargots ne viennent pas dans les carrés de potager. Je vous ferai savoir dès demain si ça a été efficace cette nuit.